Salut mes loulous des Z. Bon, je voulais parler pour votre porte-parole. Coach Lara, j'ai. Comment il s'appelle? Jet Lies, la petite danseuse algérienne. Je voulais lui dire, Wallah l'Ardim, tu vas au bled. Toi, coach Lara, j'ai. Comment il s'appelle? Jet Lies ou la Lies ou la petite danseuse Lipton. Va au bled, t'es un zmaigri. Tu connais pas le bled. Et le problème, c'est que avec tes propos, tu desserres les gens du bled, de ton bled, d'Algérie. Msakine, ils vivent la misère, ils ont des citernes accrochées à leurs murs qu'on doit remplir d'eau ou qu'ils doivent attendre que la pluie tombe. Si, comme elle tombe pas, il y a des mecs de l'Ouilaïa, ils viennent, ils remplissent pour qu'ils prennent leur douche. Toi, tu te douches. Tu te permets même le luxe de danser. Qui danse en Algérie? Msakine, c'est les travailleurs, ils galèrent, ils font la queue tous les jours pour du lait en poudre, pour de l'huile, pas d'huile d'olive, tournesol normal. Il faut qu'ils présentent leur carte d'électeur. S'ils n'ont pas leur carte d'électeur, il n'y a pas de tampon, ils n'ont pas voté, zit, reviens. Et toi, petit Gaulois de merde, avec ta tête de Francky, tu viens, petite danseuse de breakeuse, tu viens, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'Algérie. On la connaît, l'Algérie, on connaît les bleds, marocains ou algériens. Mais tes cousins du bled, là, quand ils te voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent, mesquine? 4 millions et demi d'Algériens en France. Israël, ils vous ont rien fait. Mais par contre, la France, ils vous ont. Mais par contre, vous êtes tous là. Si t'étais patriote, pourquoi t'es à Paris? Hein? Ceux qui ont coupé la tête de je sais pas combien de shuhada, Allah arhamhum, des vrais hommes. Hein? Pour voir des petites baltringues de blondinettes comme toi. Ou comme coach Larage, qui savent même pas réciter deux sourates ou même parler l'arabe.